Les autorités ont bouclé la zone et les opérations de nettoyage ont été interrompues. Elles ont signalé plutôt que la plupart du pétrole avait été pompé hors du MV Wakashio. On estime qu'environ 90 tonnes de pétrole se trouvaient encore à bord avant que le bateau ne se soit brisé. Le navire a déversé environ 1000 tonnes de pétrole depuis qu'il a heurté un récif corallien en juillet. Des bénévoles de plusieurs pays et des organisations se sont associés pour aider à contenir le déversement. Nous sommes inquiets à cause des 4000 tonnes métriques. Nous sommes très reconnaissants envers les milliers de bénévoles qui nous ont aidés depuis le début. Nous attendons le plan des experts.